Bienvenue, on est de retour dans notre aventure. Donc, on est sur. Aoué, Aolé? On est sur Aolé, on va appeler ça comme ça. On est sur Aolé, c'est une petite planète ou c'est une lune? Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. C'est une petite lune, oui, c'est bien ce que je pensais, c'est un satellite. De Olivas dans l'alpha du Centaure, donc on est pas très loin. Et on s'était arrêté là pour faire une mission. Qui est. On doit trouver Bonifac. Mais bon, il y a eu cimetière de méca oublié. Donc du coup, on y allait. On y allait. Maintenant, on est un peu ici. Et on a une structure qui est pas loin. Donc on va faire la structure. Même si on commence à être un peu lourd. Je suis assez curieux des structures. Donc on va aller voir ce que ça donne. Et la dernière fois, on a récupéré aussi des pouvoirs. Alors, poste d'écoute de Lucé déserté. Ça marche. Toc. I think you need to get rid of some of that gear. Je sais. On va avoir plein de trucs à vendre, c'est cool. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un raid en fait. On va appeler ça des raids. Genre récupérer plein d'objets et tout. Oh la vache. Bouge, Sarah! C'est une mine, ça? Cool, on peut rentrer. On va voir un peu ce que ça donne. Oula. Ah, ça descend. Ah, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Que ça fait quoi. Find anything useful? Expert, ok. On prend tout, on va être plein de ouf, mais et ça va faire de l'argent. Menu de la semaine, vous pouvez le faire. Lundi, ramène au musée. Okay. Rien de très très intéressant. On va faire la porte. On va faire ça.
Est-ce qu'il y en a 3? Celui-là, ça m'étonnerait que ça. Non, ça rentre pas. Donc celui-là. Celui-là. Ok, 1 et 2. Côte à côte. Et après, 2 ici. De là. Nickel. Fusil d'assaut, fusil de couteau de combat, contactez-moi dès que possible s'il manque quelque chose. Ah ouais, plein de couteaux de combat. Sarah. J'arrive pas à parler à Sarah. Got all worked up for nothing. If I can help you with anything. Ok, attends. Oh, I love catching up with you. Let's do it again sometime. T'avais raison. C'est pour ça qu'elle voulait pas. On prend absolument tout. Après, on va sûrement laisser tout ça dans le vaisseau. Ah, oh, ça me saoule un peu d'ouvrir les coffres. Ça prend tellement de temps, ça coupe tellement l'action. Merde, j'aurais dû regarder s'il y en avait deux. Il y en a pas deux. Alors, celui-là est là, 2 et 3. 2, 1, 2. Non. C'est la merde. Un, deux, trois. Quoi cette merde? Ah si, c'est bon. Attends, celui-là. Pas du tout. Celui-là. Un, deux, quatre. Un, deux, trois. Très bien. Oui, du coup, moi, je voulais te... Waouh, gros plan. Super gros plan. Je vais te mettre ça. Hope we can talk later. Par contre, mon O2, ça va disparaître tellement vite. Ah, c'est l'ouverture ici que ça marche. Ok.
d'ailleurs, on est encore mal en point, on est encore malade. En fait. Ça fait saigner, je crois, les shrapnels. Ce qui est logique. À moins que c'est mon arme. Que ce soit mon arme, je me rappelle plus si elle fait saigner. Ah non. Bon, par contre, je crois qu'on a récupéré des trucs intéressants. Alors. Vétéran des combats, 15% des dégâts infligés par les humains. Oh, c'est pas mal ça. Acrobate, pense qu'on a des dégâts de chute. Ouais, non, mais c'est de la merde. Le casque. Ah non, les stats sont pourris aussi. See if they've got any weapons or ammo. Je crois que c'est un peu exagéré ce que je fais là, on est à 345. Il faudrait des drogues qui... Genre qui ignore le poids pendant quelques minutes. Ça, ce serait bien. Ça serait pas mal. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Tellement avoir d'objets. Après, ce que je ferai encore une fois, je laisserai tout dans la... Dans la... Pas dans la soute, mais... dans l'armurerie en fait. Il y a un système pour... Vous avez vu? Pour se mettre à découvert comme ça, c'est sympa. Hein. C'est automatique, donc c'est vraiment les trucs que j'aime pas, mais... Quand tu veux, Sarah. Oh putain. D'accord, ouais, faut vraiment que je fasse pas le con comme ça quand il y a des trucs. Rester à découvert, c'est complètement débile. Même avec le fait que j'ai beaucoup de vie, c'est complètement con. Là, j'ai super mal joué. Oh mon dieu, on est au début. Sans déconner. Oh, on est au début. Oh là là, j'ai merdé de ouf. Don't leave any of that behind.
J'ai vraiment merdé. On va encore soigner là. Voilà, très bien. Ah putain, j'ai vraiment fait de la merde. Partout. J'avais même pas fait attention que les cartouches allaient tomber et tout au sol. Attends, Sarah, on va... I'd be happy to carry a few things for you. On va faire ça. Take care of yourself. Le plus chiant, c'est de rouvrir les portes, en fait. Les portes, les coffres et tout ça, quoi. Ah, qu'est-ce que j'ai... Ah, putain, ça m'énerve quand je fais de la merde comme ça. 1, 2, 3... C'est quoi qu'on a... Qu'on a augmenté dernièrement en habilité, je me rappelle plus. Ah oui, c'est le bien-être. 40% de vie. Ouais. Plus d'oxygène, ouais. C'est toi, tu me fais peur. Faut que j'utilise mes pouvoirs plus souvent parce qu'ils remontent super vite au final. If you're overloaded, we should stop and prioritize what we're carrying. On peut pas. Faut qu'on prenne tout, c'est un run argent, c'est comme quand tu joues à Tarkov, tu sors en scav, c'est pareil. 1, 2, 3, 4... Ouh, c'est la merde. Attends, 1, 2, 3... Ah, je crois que c'est bon. Non. Comment il se place celui-là? Ok, 1, 2, 3. Nickel. Genre...
Ils réagissent mieux aussi, je trouve, les gens qu'à l'époque de Fallout. Genre, ils entendent et tout, et ils parlent par rapport à ce qu'ils entendent, puis... Je sais pas, je trouve que c'est mieux. Bon, je vais être honnête. Il nous manque... une meilleure combinaison, une meilleure protection en fait. Clé de la cellule. Ouais, il nous manque une meilleure protection, défense physique, quelque chose, je sais pas. Oh merde. Mais non. Ah, elle essayait de le réanimer, je crois. Waouh. Vache. Bah oui, le fusil à pompe explosif. Ah, c'est dangereux de lui avoir mis ça, mais bon, c'est efficace. J'espère que ça sera plus efficace sur les ennemis que sur moi. Toutes les munes. Enfin, les munes, on en a jamais assez. Ah, clé de la cellule. Ouais, c'est l'endroit qu'on avait forcé. Si vous voulez forcer et que du coup vous avez récupéré la clé, jetez la clé. Hein. J'avais pensé à ça aussi. Mais bon, c'est pas... ça va. La petite pause qui gâche un peu, hein, mais bon, je voudrais résistance aux dégâts. Mais attendez, je peux pas le spammer mon pouvoir en fait. Même si j'ai assez, j'ai l'impression que je peux pas le spammer en fait. Let's do this.
Attends, l'autre il doit pas être mort, il est pas mort. Un peu perdu, t'as peur? Oh la vache. Oh oh, bien joué. Elle lui a tiré dessus. Ah tiens, on peut couper ça. Ah ouais, fusil à pompe. Explosif. Dis-moi que t'as un truc sympa. Ouais. Fusil à pompe silencieux. Dos au mur, dégâts augmentent à mesure que vos points de... que les points de vie diminuent. Silencieux, grand chargeur. 71 de dégâts. C'est peut-être mieux que ce qu'on a. On a... Ah ouais, on a 92. Non, lui, il a plomb. Il a plomb. Ça fait une grande différence. Ouais, ça fait une très grande différence. Près de mur, c'est bien. Hein. Mais... Tant qu'on peut pas mettre plomb sur... qu'on peut pas modder l'amélioration plomb, bah on reste avec le gris. Oh. Carrying enough clutter there, or should we find some more? Ah non, non, on en trouve encore plus, t'inquiète. Et on dormait un peu. Talk about seeing stars. That was amazing. Oh. 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 Sécurité émotionnelle. 15% de gain d'expérience. D'accord. Sécurité émotionnelle. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Ah, c'est un couteau. Putain. Elle est pas mal. Ouais, on est bon. Ils ont passé un bon moment. Merde. C'est pas du tout ça en fait. J'avais pas vu qu'il y ait... J'ai cru qu'il y avait ça, c'était pour le deuxième. Alors, ça... Merde alors. Ah ok. Nickel. Oups. Je crois que du coup on a tout fait. Bon, je suis un peu dégoûté qu'on ait... On ait vraiment rien eu de bien.
Ah oui, il y a ça, tu vois. Ouais, du coup, là, on est là, ok. Ça, c'est bien quand ça lag pas, la vache. Presque. J'avoue que c'est le seul truc qui m'embête, hein, moi, c'est de changer d'arme. Des fois, j'avoue que je me force à pas changer d'arme. Parce qu'il y a le petit freeze. Bon, allez, cassos. J'ai plus beaucoup de grenades non plus. Bon, bah, c'était bien. Juste très bête qu'on ait. Honnêtement, rien eu d'intéressant en objet. Genre, strictement rien d'intéressant. Ah, notre vaisseau est pas très loin. Là on en a pas mal aussi parce que celui-là il fait super mal. Donc on va pouvoir commencer à taper. Je sais pas ce qu'on fait, on rentre histoire de se vider un peu l'inventaire d'abord et après on continue. Je pense qu'on va faire ça. On va faire quelques voyages, enfin, rapides, évidemment. C'est pour ça qu'il nous faut un lit en fait. C'est pour Sarah. Comme ça on a le gain d'expérience et tout. Ah ouais non, il nous faut absolument un lit en fait dans le vaisseau. Absolument. Très bien. Ouais, allons à Jamison. On revient après. Oui, j'ai mis ça. Alors, on va faire ça, comme ça on se vide un peu l'inventaire, on va vendre plus ou moins tout ce qu'on a. Some work done? 5000, parfait. Alors, c'est parti. Euh...
qu'on garde des trucs. Ça, j'ai envie de le prendre, de le garder, mais... Il faudrait savoir si on peut modifier, en fait. On va voir. Attends, qu'est-ce qu'il a? Barrette, il a quelque chose pour nous? I have something for you. Oh, pardon me. Was that your stomach or mine? Oh, right. I nearly forgot. Here you go. Sauter alien, merci. C'est sympa. Alors, nous on veut... Oh, tiens, on peut mettre ça maintenant. Attends, grand chargeur... Ah, c'est la plomb. On peut le mettre, on peut le faire maintenant. Projectile unique et de grande taille qui peuvent être tirés bien plus loin et infligent beaucoup plus de dégâts. Bon, on peut mettre ça sur celui-là. Installe une gâchette plus sensible, une cadence de tir améliorée. Câble zéro, hein. Putain, chien. Alors, réduit conscience et intensité acoustique, mais la précision dépend de la portée. Frein de bouche spécialement conçu pour réduire la dispersion des fusils à pompe. Améliore la stabilité et prise de tir au jugé. Faire ça. On peut mettre un laser aussi. Viseur réflexe. Ben voilà. Change le nom. Wilhelms. Surcharge. Voilà, très bien. Je vais être franc, l'ancien peut limite le donner à... Bah, quoique l'explosion est mieux quand même. Je pensais le donner à Sarah, du coup elle tire plus vite. Les cartouches sans étui, on les utilise pas. Peut-être qu'on peut faire des améliorations maintenant. Genre ça, là. On peut faire quoi? Canon court, qu'est-ce qu'on peut faire? Genre un truc qui augmente les dégâts. 53, c'est pas énorme. Non, les trucs ça, on peut pas. Les cartouches. Des fléchettes, ça serait pas mal. Munition explosive qui explose à l'air en plus de projectiles. Du plomb. Ah, toi aussi t'as le plomb. Ouais, pas... Bon, après il est adepte de l'espace donc c'est pas vraiment intéressant. On va pas le modifier.
quoi canon tech? Améliore considérablement la précision et contrôle du recul à portée en dépend de la vitesse de visée. Fais des petits changements. Hein. Des munitions trempées dans une solution chimique qui brûle en entrant en contact avec la cible. Ah, c'est pas mal ça. Ça fait des dégâts d'énergie en plus en fait. Ou alors on a munitions perforantes, munitions plus puissantes qui peuvent transpercer les armures les plus résistantes. Ah mais non, on peut pas. Ça c'est pas mal parce que cette arme en fait on l'utilise souvent donc... C'est une de notre principales. Donc semi-auto, on peut le mettre en auto. Là, on peut pas, fait chier. Interne. Appel silencieux, réduction tactique acoustique amélioré. Ouais, enfin silencieux, oui, ça marche. Si on a un truc auto, d'accord, on enlève le silencieux, mais là, vu que c'est coup par coup, silencieux, c'est très bien. Ah, on met autre chose. La lunette, bon, c'est bof. Enfin, sur ça, j'en sais rien, en fait. Ah, le coup par coup, c'est pas mal avec une lunette courte, en fait. J'aime bien parce que, voilà, j'en profite, hein, parce que ça fait des mods, hein, donc on en profite pour... un peu changer nos armes. Qu'est-ce qu'on utilise encore souvent? Ça, on peut le mettre en auto. Ou pas, ou c'est pas possible. Amplificateur. Surcharge. Ah, mais tout ça, c'est des c'est de laser. Ou mode. Non, c'est mode. Qu'est-ce qu'on utilise souvent? Donc le fusil à pompe. Il nous faudrait genre grande puissance. Cartouche standard, charge M ou plomb. Ah, on peut mettre du plomb aussi. Ouh, ça m'intéresse. En fait, ça me dérange pas d'avoir du plomb, moi, de mettre du plomb à la place. Parce que ça augmente tellement les dégâts, je crois que c'est nettement mieux. Enfin, bref. Le VSS, il est un peu bof. Ça, il faudrait le mettre en... ou l'auto entièrement automatique, mais je peux pas le faire. Alors là, nous on a tactique. Chargeur plus léger, améliore considérablement la vitesse de visée, le rechargement. On a quoi? On a grand chargeur. Munition trempée dans une solution chimique qui brûle en entrant en contact avec la cible. Ah. Nice handiwork. I like your style. On a un laser dessus ou pas? Il n'y a pas de laser. Ah, c'est... Ça a mis du temps, hein. Pour les mods hein, des armes et tout ça. Hein, pour pouvoir bien les modder. Hein. Ça, on a mis beaucoup de temps, mais... Ça y est, ça arrive. En rafale, culasse qui tire 4 projectiles par coup. Et là, il fait extrêmement mal. Est-ce qu'on peut. Il tire extrêmement vite en fait. Donc, enlever le chargeur tambour, ça serait un peu con. Ça casserait en fait son. Le but en fait de l'arme qui est de complètement vider le chargeur dans la tête de la personne. Améliore la précision avec le silencieux.
Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre en volonté? Ah, on fait un peu de ça parce que j'en fais jamais en fait en vidéo, donc comme ça. Bon, ça, ça va faire mal. Fury va faire mal en théorie. Okay, that's it. Time to sell some of your junk. Il est sûr avec ce unit frelon, pilon Tesla. Amplificateur, amplifie la puissance et augmente les dégâts. C'est pas mal ça. Ah, mode interne 2, on est à 53%, on l'a pas fini. Ouais, celui-là, ça va être pas mal. Je pense. Celui-là aussi. Je pense que ça va être cool. Donc celui-là maintenant, il fait munitions chauffées à blanc. Le tambour, il est un peu plus précis. Munitions chauffées à blanc. On a ça. Munitions chauffées à blanc aussi. Et avec un viseur maintenant, vu que c'est du coup par coup, c'est peut-être mieux. Ouais, ça va. Est-ce qu'on a des objets pour finir les recherches? Oui, ça peut se tenter. Ah merde. On va pas prendre la drogue parce que c'est pour réduire le maximum et on arrive à pas au maximum à chaque fois, il nous en manque beaucoup quand même. C'est juste qu'on en utilise un peu. Voilà, là on a ça en plus. 23. Ah, quoique, peut-être que j'aurais pu. Voilà, c'est pas grave, fini. Très bien. Ouais, ça arrive petit à petit le modding. Très très long comme j'ai dit. Cyber tenue urbaine. Oh mon dieu. Bordel. On va aller vendre le reste. Qu'est-ce qu'il y a? T'as récupéré... Ah oui, c'est vrai qu'elle... elle récupère des choses quand... Merci. Don't stay away too long. How can I be of service, Captain? Là, on a plus d'argent. Ouais, ça. You should inspect your ship for heat leeches every couple landings. They'll cause plenty of havoc if left unchecked. You will be scanned as you enter the city. Très bien. Okay.
Je suis content, ça se passe bien là. Et comme j'ai dit, le coup des... Des quelques modifications des armes, ça devient intéressant. Ça devient maintenant intéressant. Il était temps. Il nous manque encore... Qu'est-ce qu'il manque? Les combinaisons, ça serait pas mal aussi. Tellement de choses. Même ça, ça me fait un gros cul. En fait, mon personnage, il a un gros cul. Hein. C'est pas les vêtements au final. I'm pleased to report that our stock. Welcome to UC Distribution. Oh, well, certainly. Alors, vendre. Ça, c'est bien qu'on puisse le changer pour le plomb, là. Même l'autre, le ricochet, on peut faire le plomb, mais bon. C'est pas le même. Hop, fais voir si t'as des munes intéressantes. Ah voilà. 12K, c'est cher ces merdes. Ah, bien cher ces merdes. Mais bon, on récupère un peu d'argent. Une graine toxique, sympa. Celle-là, elle est pas mal. Taux de récupération ou deux. Ah, je sais pas quoi utiliser. Back to it then. On avait dit celle-là en fait, je crois. Welcome to UC Distribu. Oh, well, certainly. Désolé, on perd un peu de temps, hein, mais. Ok, très bien. Ouais, on va rester avec ça. Ok, je crois qu'on est 133, c'est bon. Right. Come back if you need something. Bon, l'argent qu'on a dépensé dans les munes là, on l'a. J'avais même pas vu qu'il y avait la masse ici en raccourci, putain. On l'a un peu récupéré. Ouais, on est remonté à 200K, ça va. C'est bien. Du coup, on est reparti pour notre mission. Donc cette fois, on va la faire. Et on va pas se balader. Et voilà. Je crois qu'on a tout dépensé. Quasiment certain qu'on a tout vidé, en fait, notre inventaire. Ouais, je pense. Alors, où est-ce qu'on est? Je sens que ça va bien se passer ici, avant-poste reconquis. Il me faudrait des grenades.
Ah, l'éclipse, ok, putain. Putain, merde. Tu vois un peu comment tu te débrouilles avec un fusil à pompe? Non mais elle faut lui remettre le laser. Ah, j'avoue que c'est pas mal là ce qu'on a. Ça fait du 100% feu en fait. Mais c'est pas mal en fait. C'est marrant. Ah, avec le laser, c'est quand même vachement facile hein, de viser comme ça. Ouais, vu qu'il a le silencieux et tout ça, et c'est du coup par coup, il est méga précis, donc avec le laser, c'est... Il y a zéro problème en fait. Il y a du monde à l'intérieur. Bon, je suis content. Là, on a... Là, niveau dégâts, on a un bon boost, hein, je pense. Alors, fais voir toi un peu. Mec à droite, je viens de voir. Caustic chemicals, sharp-edged raw materials. This facility is an accident just waiting to happen. Pas mal, pas mal, pas mal. Je regrette pas. Je regrette pas d'avoir mis des points là-dedans. Nickel, je suis très content même. Merde, qu'est-ce que j'ai récupéré? Pièce de robot, c'est de la merde ça. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un nouveau casque avec des stats de merde comme d'hab. Plus 10% de dégâts aux cibles scannées. Ah ça c'est bien ça. Je savais pas que ça existait. On tombe sur des trucs avec des stats de merde. Ah, peut-être que on est. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment mieux, j'en sais rien. Allez, on ressort. Tu viens, Sarah? Je suis sûr qu'on pouvait leur donner des... A lot on your mind? We should get a drink sometime. Je suis sûr qu'on pouvait leur donner des ordres d'aller à certains endroits d'entre là. Bien.
résistant. Avec... Ça, je l'ai envie de... j'ai envie de le prendre. Pour le mettre dans le vaisseau. Ok, Cassos, y'a rien. Ah oui, j'avais dit que je voulais lui mettre le laser. Ou alors je lui donne mon laser peut-être. Je crois que honnêtement le mien c'est la même chose. C'est les mêmes dégâts. Il est un peu mieux mais pareil au même. Je vais être honnête, vu que je l'utilise pas souvent, ça me dérange pas qu'elle l'ait en fait. Ouais, ça me dérange pas du tout qu'elle l'ait. It was nice talking to you again. Ouais, il est cool en plus. Nous on va mettre... on va mettre celui qu'on a récupéré. C'est celui-là? Ouais. Il y a un vaisseau? Donc c'est le nôtre, ça. Je crois qu'on nous a vu. La vie. Putain, ça bouffe l'armure hein. Ça bouffe bien l'armure le feu hein. Je suis content là putain. C'est super. Et puis on a bien fait de mettre un viseur sur le du coup parcours. Il n'y a que l'autre mitraillette là qui est une sorte de fusil à pompe du coup, ça on n'a pas besoin. Elle a un laser. C'est quoi ça hein? Merde! Ah, il y avait des objets à l'extérieur. Attends, ça, on ressort. We should find out what's being manufactured at this facility. On rentre. Je sais pas, la nourriture, je sais pas si ça vaut le coup à chaque fois de la prendre, honnêtement. Je pense pas. De toute façon, j'augmente pas ma nourriture pour le moment, donc... je vais pas garder 50 tonnes de nourriture. C'est bien parce que je vois où elle vise, en fait. Ah putain, mais c'est vachement utile. Ah, attends. Ah mais c'est super utile en fait de lui donner une arme avec viseur. Du coup on sait exactement où elle vise. C'est... Ah oui putain j'avais pas pensé à ça. J'avais pas du tout pensé à ça. Mais là je suis en train de faire quoi? D'ouvrir la porte? Elle est déjà ouverte. Putain en plus c'est pas bon. Non, c'est l'ordinateur, ça. Combat robot. Activé. Non, on va pas... Non, les robots, ils sont avec nous, là, non? Je sais pas. Wow, wow, wow.
Ouah, le bordel. Ouais, fais un peu gaffe là. Oh mon dieu, le robot il est vénère. Quoi ce machin quoi. J'adore quand ça se passe ça. Méga violent les robots. Extrêmement violent. Sort du monde. Ouais, ouais, ouais. Je regarde d'abord s'il n'y a pas des trucs à prendre. Vu qu'on est à côté. Bah, je crois que le robot, en fait, a tué le mec. Alors ouais ou alors non. Là. Salut. You don't need any of this. I'll be happy to take it off your hands. Ça marche, je vais y réfléchir, merci. Merci de la proposition. Ça, c'est pour sortir, ouais. Alors, là il en reste 2, 4. Ouais, ça c'est bon. Celui-là peut-être, et après 2 comme ça. Non. De là. Nickel. Encore un mec qui traîne. On peut prendre ça dans le vaisseau? Non, on peut pas. What? C'est le robot qui a dit ça? Alors, après plusieurs rapports indiquant l'augmentation de l'activité des pirates dans le secteur, nous refusons toutes nos requêtes de muscles de sécurité. Je pense qu'on faut un arsenal respectable dans la réserve. Déverrouillage de la porte du bureau. Ouverture de la... Ok, nickel. Ok, il y a une réserve avec des armes. Oh mon dieu! Vous avez vu le mec qui vient juste de passer? Ok. Il était un peu au niveau. Donc on va faire un peu attention. Go.
Même les balles, elles sont... Ah oui, regardez, vous avez vu, ça fait des marques de chauffe, en fait. Ta gueule. Okay. I must be hearing things. Ah, je suis content, mon arme. Content de mes pouvoirs aussi, c'est marrant. Allez. Cœur plus. Il y a le cœur plus aussi que j'utilise pas trop. Ça... C'est genre plus 200 en résidence physique, c'est super bien. On va en profiter pour regarder ce qu'on a récupéré. Nouveau jetpack. Ah! Plus double dégâts et cible, points de vie sont au maximum. Ah bah, nickel. Ok, on a exactement le même que ce qu'on vient de lui donner. Du coup, on le modifiera. Le jetpack, par contre, je crois que je peux le changer. Merde. Comparer. Nous, on a quoi vraiment qui est bien ? Transport de ressources et miroir. Et là, on aurait... Moins 15% de dégâts infligés par les humains, ça c'est bien. Et résiste aux radiations. On va prendre le violet. On va donner celui-là à Sarah. Important or not, have something for. Elle avait quoi? Ok. Ouais, non, c'est bien. C'est bien, j'aime bien ce qu'elle a. It was really good talking to you. Plein de trucs à... Un, deux, trois... Ou alors... Ça... Un, deux, trois, quatre... Je crois que je suis allé un peu vite en fait, j'aurais peut-être pas dû.
Ah, c'est bon. Bon, on a encore masse de... d'objets, on les foutra par terre. Bon, je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on peut aller sauver Mister. Clé nécessaire. Ah. Ok, on n'a pas la clé. Peut-être que c'est Mister qui a la clé. Un truc qui pourrait être sympa, ça serait... clé du bureau, c'est ça? Non. Les NPC avec nous, en fait, puissent nous aider pour trouver les choses. Clé de la réception. Yes, let's go. There's a huge difference between being prepared and carrying too much. Après, techniquement, on n'avait pas besoin, mais c'est pas grave. Allez, go, 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 go. Si on perd trop de temps. C'est bon. God. Ugh. You know, honestly didn't expect UC security to get here, so... Wait, you're not with security? Who are you? Patron Elena m'a demandé de vous retrouver. Helena? Oh, you're here to collect Reliance research data. Not me, aren't you? C'est... exact. Why am I not surprised? I bet she told you I was a suspect too. Look, I didn't take the data. Maldonado, the man responsible for killing the courier, stealing my ship, and dragging me here, he's got the data. He's looking to auction off our research and frame me for the theft. But that son of a bitch crossed the wrong man. What do you say we go get Reliance property back? Allez. He's about to learn what happens when you play with Bonifant Maximoff. Ouais, enfin, c'est surtout Maldonado's moi. Quarters are towards the rear of the facility. Don't worry though, I'm sure you noticed he didn't exactly pay for Ecliptic's finest. No Ecliptic A team would have missed a pistol on their only captive, for example. And I took several firearms courses before my transfer to Gagarin. This should be child's play. T'as une arme? Ouais, t'as un pistolet. T'as trop de basses dans ta voix, mec. J'ai l'impression que mes oreilles bourdonnaient, quoi. Oh attends, stop. Je pensais pas qu'on allait parler à quelqu'un comme ça en fait. Attends, parce que maintenant j'appréhende à chaque fois. Genre si on fait de la... C'est pas la résistance aux dégâts, c'est la persuasion que je cherche. Juste prendre l'alcool. Oh putain, c'est la merde ce système quand même. Hein. Je crois qu'il y a des modes pour améliorer ça, mais faut que je les fasse fonctionner. Change de persuasion, mais je veux pas prendre un truc aussi gros. Moi je veux juste... j'ai plus de... des bouteilles de vin là, j'en ai plus. Sérieux? La merde alors.
Ah tiens, on a ça. Eh ben. Bonafont. So Reliance sends along a merc of their own then. Shut it. Hand over the data, or I'll promise you'll regret it. Well, look at that fire. Junior executive, no more. The answer is no, Mr. Maximov. This data's worth a lot of money to my potential buyers. Of course, it doesn't have to be just me that benefits. Now, if Reliance sent you, then you've had the pleasure of meeting Ms. Strickland. Lovely woman, don't you think? Pas de perte de temps, donner. Semble plutôt méchante. On dirait un enfant qui parle. Elle me semble plutôt méchante. Ah là là, ce que je pense n'a aucune importance. Je suis juste là pour un boulot. But that's the very problem. You're doing your job for the wrong person. Strickland is as cheap as she is mean. I, however, understand the importance of appropriate compensation. I will pay you handsomely right now to turn around, get back in your ship, and inform Helena that our Bonavent here betrayed her. That he killed the courier, stole Reliance's precious data, but was then tragically killed during the handoff with Ecliptic. I'll even handle the killing part myself. What do you say? Quiet! It's not going to work! It's not, right? Bonifa, qu'est-ce que Strickland est aussi radine qu'il le prétend? Marché conclu. Bonifa, que t'as vous maintenant, donnez-moi mon argent. On va déjà te demander ça. Wait, you're not actually considering this, are you? Yes, maybe Helena's on the more frugal side of things. But did you not hear him? He's talking about killing me. All we want is that data. Dans un sens, j'ai envie de dire oui. Marché. Elena, elle va pas aimer, si. Splendid. Sarah. Your credits. I do love it when people are reasonable. Have you completely lost your mind? I've just lost a lot of respect for you. Ouais, ouais. What? No! I will. Attends. C'est ce que je pensais, c'est ce que je pensais. C'est normal. Hein. On va se marier, tu veux pas perdre du respect quand même, non mais oh. What's the meaning of all this? I am not to be. Bonafont. So Reliance sends along a merc of their own then. Shut it. Hand over the data, or I'll promise you'll regret it. Well. Look at that fire. Junior executive, no more. The answer is no, fera... Mr. Maximov. Genre peut-être un NG+ et tout ça. To my potential buyers. On fera plutôt méchant. Of course, it doesn't have to be just me that benefits. Now, if Reliance sent you, then you've... love... But that's the very problem. Strickland is as... I, however, I will pay you. That he, I'll even hand. Quiet! It's not, right? Hello. We refuse to let you get away with this. Well, I can't say I didn't try. But, I've got an auction to plan, so I guess I'll just have to get rid of you myself. Ta-ta! Last bad decision you ever make. Set aside anything useful and just leave the rest. Data's intact? Thank God. I'll take my own ship back to Gagarin. I'm sure Helena will be. Well, she'll be happy to see you, at least. On fait pas. Ah, le bruit que ça fait. On fait pas énormément de persuasion en fait. I'll see you back in Gagarin.
j'ai remarqué. Oh. Mais ouais, à un moment je ferai un truc un peu plus violent, parce que c'est vrai que des fois c'est pas super fun en fait de jouer comme ça là, constamment gentil. Là, il y en a 2 et 3. Là, il y en a 2. Side Star. Mais du coup, il faudra... Faudra pas pas avoir Sarah avec nous. On peut voir un peu ce qu'on a récupéré. Alors le Mac Shot, c'est ce que on a récupéré sur lui. C'est du 43 MI, je sais même pas ce que c'est. Il est pas mal son arme là. Ça c'est les données. Tablette qui poursuit longuement avec de nombreuses pages de recherche prioritaires. Okay. On est lourd, 191. Bon allez, on se casse. Je suis content de lui avoir donné le laser là, putain c'est vrai que j'aurais dû y penser plus tôt. Des fois les choses toutes connes, hein, on n'y pense pas. Ouais, un peu comme toutes les industries au monde, hein, j'ai envie de te dire. Là, tu l'aimes bien ton nouveau jetpack? Avec les objets que vous pouvez attraper, je sais pas si je l'avais montré, mais vous pouvez faire ça, genre hop, et après le jeter. C'est la touche R sur le clavier pour jeter. E c'est pour attraper et R c'est pour jeter. Donc vous pouvez faire des sortes de pièges. Inventaire, ressources. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on voulait un peu trifouiller nos armes, non? Je crois qu'il y a le Orion. Il y a le Orion qu'on veut trifouiller vite fait. On peut le faire maintenant. Ouais, celui-là. Alors, canon standard, canon long. Laser, est-ce qu'on a assez? Ouais, merci. Il faudra plus de néon. On va garder la lunette moyenne. Fin de bouche, lunette de faux. Lunettes focales, lunettes spécialisées améliorent considérablement la précision.
Petite batterie, grande batterie, tactique. Le mieux c'est le faisceau d'allumage, mais on n'a pas. C'est quoi le mieux, tactique ou grande batterie? Améliore la capacité en munitions, après réduction de la vitesse de visée et le rechargement. Améliore forcément la vitesse de visée et le rechargement. Ouais, on va prendre une batterie tactique. 15 sur 30, c'est très bien. Et après le reste, on peut pas. Ah merde, le nom. Comme ça, on l'a. C'est facile à la retrouver. C'est bon, go. Ben voilà. Mission menée à bien. On va rentrer. Lifting off now. C'était sympa, on a pu tester toutes nos améliorations et tout. Non, merde. Chacal. Attendez, on va faire une petite pause, je suis désolé, mais il faut que je vérifie en fait. Système de ciblage, je suis à 5 sur 5, donc j'ai pas besoin. Par contre, j'ai pilotage, détruit 5 vaisseaux. Voilà, donc il faut quand même que je le détruise, fais chier, ok, ça marche. Target's jump drive is down. Junk you're hauling is seriously slowing you down. 1800 de crédit. Oh la vache. Fermez vos yeux. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. And we are done. Welcome to Gagarin. Voilà. Ouais, j'aime bien le... ce qu'on a fait sur le vaisseau. Comme ça, ça marche bien, je trouve. Genre, le tir principal, c'est le canon laser, là. Le tir secondaire, c'est le roquette. Et après, quand je cible... J'ai le troisième tir qui est le magnétique là pour détruire les parties de vaisseau facilement. Je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Je suis assez content. Je pense que... Pour moi, ça me va en fait, ma façon de jouer, c'est bien. You're back. Without Mr. Maximoff. Is he all right? You didn't have to deal with him.
Did you? Le voleur était un homme du nom Maldonado, pas votre employé. Maldonado. I know that name. He's a renowned data broker. Black market. I'll have to let corporate know about his involvement. And that you managed to stop him. This was good work. Excellent work. Normalement, il devrait bien nous payer, non? Speaking of which, would you be so kind as to hand over the data? Mon homme a fait une offre, j'ai refusé, mais je crois que vous allez devoir monter votre tarif. That seems reasonable. Here, for a job well done. You have Reliance and my gratitude. 5500. C'est très bien. C'est très bien. If this isn't urgent, have my assistant schedule something. Ouais. Non, c'est très bien comme ça là. All these fancy new businesses going up, but we still can't get them to open up. Ah bah il est là. Ah, there you are. Look, it merits saying again. Thank you. Now, if you'll excuse me, the landscape of medical science isn't going to remake itself. Well, I made it out alive thanks to you. So I'd say things are going pretty well. But sorry, I should really get back to it. Ça marche. I better get back to it. Qu'est-ce qu'on fait large? Ouais, non, mais on fait super large en fait. Oh la vache. Captain, greetings. Bon bah du coup. Get this ship moving. Qu'est-ce qui se passe? Et on part. We're clear. Maintenant la question c'est où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Un peu les quêtes. Rendez-vous sur Paradiso. C'est où Paradiso? Niveau 30. C'est loin Paradiso. C'est un peu loin. Il y a aussi Mantis, on m'a dit de le faire. On avait une récompense, une bonne récompense. Retourner à la loge. Ah oh, oui. Oui, parce qu'on n'est pas retourné à la loge en fait depuis qu'on a récupéré nos pouvoirs dans l'épisode précédent. Putain, oui, c'est vrai, j'ai complètement zappé. Comme ça, on va voir le reste. Et. Comme ça, je déciderai si le prochain épisode où on repart en aventure, ou on fait autre chose. On verra. Avec notre survêtement Adidas. Crix's bones. Look at you. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like, right now. We were right about the anomaly, weren't we? Tip our ears on the tail. Bah maintenant, j'ai reçu des pouvoirs. What in the blackest sea are you going on about? What did it do to you? Vladimir, look at these readings. Cardiovascular and neurological levels aren't in the normal range.
I think we're going to need a little demonstration. Mind putting the paces to it? Utiliser le chancelier devant Vladimir, ok. Et vous allez tous voler, les mecs. Ah, ça tue. Everyone saw that, right? Like a literal gift from the heavens. And also the most practical consequence of our little venture thus far. Got no old shipwise for this one. Going to just call Weird, Weird. Je vais m'en servir partout, n'importe quoi. C'est le temple qui a fait ça. So we have artifacts, a temple, and this power, all connected. More questions than answers. Can we find more of them? Already picked one up from the scans. Matches another one of the artifacts we found. In theory, there might be one temple for each. But sifting through all the signs to identify a match is tricky. Impossible if we don't have the right artifact to compare. And even then, it takes time. Du coup, tu veux quoi? Je vais suivre l'autre anomalie que vous avez trouvée avec un peu de chance. Ce sera un temple. Okay. Don't think it's just fortune's laugh that this temple responded to you. The artifacts, the visions, this power you've gotten, all seems to be the same song somehow. Plenty to think about. Anyway, catch a smile out there. I'll work on finding planet anomalies that match the other artifacts we have. If you have a moment, cool. I have something I'd like to discuss. 13,000 kits d'urgence. Eva. This is all exciting, but there's really a lot of pressure on us, isn't there? We have to get this right. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Ça m'intéresse. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. Timber. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. Drinks are on you? Now I'm certain there's something wrong with you, Walter. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. Ça marche, c'est bon. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. J'accepte direct parce que Neon, en fait... Apparemment, c'est super beau comme ville. C'est très très cyberpunk, en fait. Donc, ouais. Je crois que la prochaine fois, on va faire directement ça. Un truc que je vais faire, par contre... Je sais pas. Je voulais un peu changer peut-être le perso, genre utiliser la chirurgie esthétique ou un truc comme ça. Pour changer le perso. Et aussi peut-être parce que je voulais rajouter un nom de famille, mais je sais pas si ça vaut le coup. On verra. Enfin, c'est du détail. Je vais voir ce que je fais, c'est pas grave. Mais ouais, donc on fera ça la prochaine fois. Parce que là, on a eu plein de quêtes, par contre. Faudrait faire la truc de Sarah. Donc, toute chose a un prix. Le pouvoir venu d'ailleurs. Donc, obtenez le pouvoir sur Gunibu 2. Gunibu, on connaît, je crois. Gunibu 2. Bah, montre-moi. Ah, c'est là, Néon? Ok, c'est pas très loin, Néon. Ah, oui, voilà. Oui, on a...
Ok, on peut aller, ça marche, on peut faire ça. Donc ça, ça serait temple. Néon. Ok, donc maintenant on a ça en fait, les missions elles ont changé. En fait on a fini vers l'inconnu. D'accord, ok, ça marche. Bon, bah on a du bon truc à faire. Ça marche, on continuera ça la prochaine fois en tout cas. Je crois qu'on va faire Néon, parce que je suis curieux en fait. Il y a des trucs vraiment uniques là-bas, donc ouais, on va faire Néon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Ciao, ciao.